si vous savez que la moitié des cookies qui sont sur la rangiste viennent du rose zébruche, des pêcheurs belges. Ah oui. C'est un peu bizarre, non? Oui, je vais le prendre ici. Donc voilà. Qui est pas flexible, mais ça c'est quelque chose que moi je préfère. Moi je suis cuisinier, moi je vais filer les poissons comme un cuisinier. Si vous avez quelqu'un qui travaille dans un magasin de poissons, il va le faire tout différemment, autrement que moi. Mais moi je vais vous expliquer comment je trouve que c'est facile. Donc on commence ici et on le coupe comme ça à la tête. Ici on a les, comment on dit ça, les kibbeh? Les branchies? Non, les louis. Yeah, voilà. Ouais. Donc ici on peut regarder la qualité, c'est rouge, c'est top. Le taco aussi, le taco a toujours des yeux comme ça. Il a aussi une petite barbe comme le caviar, donc c'est de la famille du caviar. Steamboat. Presque tous les poissons, je le cuis sur le pot. Parce que moi, je trouve que le pot et les arêtes, ça donne du goût. On regarde ou on coupe et on voit le couteau, comment ça glisse dans le poisson. Donc, ici, vous avez le dos du poisson. Donc, et je vais le inciser comme ça. Donc, ici, tu regardes. Ça, je prends le couteau. Ton couteau aussi, tu dois le mettre 45 degrés comme ça. Si tu le fais comme ça, tu vas couper dans le poisson de les arêtes. Si tu le fais comme ça, tu sais bien glisser comme ça. Mais ça, c'est un peu d'expérience. Si tu le fais comme ça, là, tu vas sortir ici. Donc, voilà. Donc, et tu prends ton main comme ça, ton doigt comme ça, et tu le tires comme ça. Par là. Comme ça, tu regardes où tu coupes. Et tu glisses. Tu glisses sur les arêtes. Si tu vois... Ici, au milieu, il y a une petite boule. Oui. Et tu glisses comme ça, et tu vas par là. Aussi pour après, si tu vois, il n'y a pas des arrêts. Ici, il n'y a pas des arrêts. Et les arrêts qui sont dans le filet, ce sont les arrêts qui sont ici. Merci. Jusque là. Et donc, si tu coupes les arêtes, voilà. Donc, on peut brûler le pot, mais c'est pas nécessaire. Bon, moi, j'aime bien faire ça parce que ça donne un petit peu le goût fumé et brûlé. Après, je prends l'huile très naturelle, pas très expressif, où je le fais avec l'huile que je prépare moi-même, comme l'huile de laurier ou l'huile de thym ou rosmarin que je fais moi-même, que je tire avec comme un thé avec l'huile de maïs, que je mets des aromates dedans et je laisse tirer comme un thé. Là, on peut faire aussi avec ça. Donc, on va sûrement mettre au-dessus. On a chauffé le four
120 degrés, pas plus. 120.